1, 2. Eh bien, avant de commencer la soirée, je vais vous demander de soit éteindre vos portables ou de les mettre en mode avion et de faire des photos sans flash, s'il vous plaît. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au lycée Blaise Pascal d'Orsay. Donc, en tant qu'éco-délégué, nous sommes fiers d'animer cette nouvelle conférence après celle de Valérie Masson-Delrotte. Nous sommes Zoé. Et Tony. Nous sommes tous les deux en terminale et nous sommes tous les deux également éco-délégués depuis notre seconde. Nous sommes aujourd'hui en présence de Monsieur Jean Covici. Il est ingénieur, il est le cofondateur de Carbon 4, il est également le cofondateur du think tank de Shift Project. Il est conférencier, il est enseignant, il est aussi le co-auteur de la bande dessinée la plus vendue en France cette année. Nous sommes également en compagnie de Hervé Doll, astrophysicien à l'Université Paris-Saclay. Et les questions seront posées par Mia et Jessica. Au cours de la soirée, nous aborderons plusieurs thèmes, que ce soit sur le parcours de Jean-Marc Jancovici, mais aussi sur la politique actuelle, ainsi que les énergies et l'avenir. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Si au cours de la soirée, des questions vous viennent, gardez-les en tête, car vous pouvez les poser à la fin. Voilà, et sans plus attendre, je donne la parole à la première intervenante. Jessica, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Jean Covici. Alors je m'appelle Jessica, je suis élève de terminale au lycée Blaise Pascal et je suis éco-déléguée depuis 2 ans et je vais aborder le thème de votre parcours et expertise. Alors je vais commencer avec ma première question. Est-ce que vous pouvez expliquer quels sont vos métiers, vos fonctions, vos formations? Avez-vous eu un déclic à un moment donné de votre carrière? Et pour finir, comment vous jonglez entre vos activités? Où se trouve la grotte de Lourdes? J'ai eu la révélation. Alors mon parcours, il a fait un crochet par ici, figurez-vous. Puisqu'il y a fort fort longtemps, comme dans le film, j'ai traîné mes guêtres pendant 3 ans dans ce lycée, à l'époque où il était un peu moins bétonné qu'aujourd'hui, donc un peu plus d'herbe et un peu moins de bâtiments. Il n'y avait pas de prépa à mon époque. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'ai fait des études d'ingénieur, effectivement, et puis jusqu'à un âge raisonnablement avancé, puisque jusqu'à la fin des années 90, je me suis occupé de tout autre chose que de sujets d'environnement. Et j'ai croisé la question environnementale et plus précisément la question climatique totalement par hasard sur ma route. Le hasard, je dis ça aux plus jeunes de la salle, le hasard joue un très très grand rôle dans la vie. Votre vie est essentiellement le résultat de hasard, puisque vous n'avez pas choisi le code génétique de vos parents, vous n'avez pas choisi la ville où vous êtes né, vous n'avez pas choisi la langue que vous parlez, vous n'avez pas choisi les revenus de vos parents, vous n'avez pas choisi le pays dans lequel vous habitez. Il faut savoir que le hasard, et pour ceux d'entre vous qui auront des carrières brillantes, je vous invite à faire toujours preuve d'une grande humilité en vous rappelant que vous devez beaucoup, beaucoup au hasard dans ce genre de choses. En ce qui me concerne, le hasard, il a mis sur ma route à la fin des années 90 la question du climat, à une époque où je travaillais beaucoup dans le domaine des télécoms et de l'audiovisuel. Et c'était l'époque où les moyens informatiques portables naissants commençaient à faire naître tout ce qui était télé quelque chose. Télé-enseignement, télé-travail, télé-machin chouette, télé-médecine. Et à l'époque, je travaillais pour la société qui s'appelle aujourd'hui Orange, j'étais pas salarié, mais j'étais prestataire, et qui s'appelait à l'époque France Télécom, et qui se posait la question de savoir quelles juteuses affaires ça allait lui rapporter toute cette histoire, et est-ce qu'il n'était pas possible de proposer des offres avec des terminaux, des tuyaux, du contenu, enfin le tout en un, permettant de faire des choses dans le domaine du télétravail, du téléenseignement, etc. Et dans les analyses que j'avais à faire, j'ai commencé à voir passer le fait que économiser des déplacements, ça permettait d'économiser des émissions de gaz à effet de serre. Donc on était à la fin des années 90, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et j'ai commencé à tirer. À l'époque, j'étais consultant indépendant, donc ma forme d'activité, c'est que j'étais indépendant, et j'avais un peu de temps. Et donc j'ai commencé à creuser. Et j'ai notamment été tiré par la manche tous les prédécesseurs de Valérie Masson-Delmotte que vous avez accueillis ici. Et c'était l'époque bénie où quand vous leur envoyez un mail, vous aviez la réponse dans la journée. Aujourd'hui, vous pouvez toujours courir pour l'avoir. parce que c'est des gens qui sont devenus totalement débordés. Mais à l'époque, c'était possible. Donc je me suis fait ma propre formation continue dans le domaine du climat. Il y a un été où j'ai lu l'intégralité d'un rapport du GIEC, donc pas le résumé pour décideurs, un rapport qui fait 2000 pages.
Et puis j'ai également commencé à organiser des conférences de vulgarisation sur les questions d'environnement. Donc j'ai rejoint au sein de l'association des anciens élèves de l'IX le groupe qui s'intéressait aux questions environnementales et j'ai organisé ou co-organisé plus exactement pendant plus d'une dizaine d'années, une fois par mois. Une conférence d'information où on faisait venir essentiellement des chercheurs, des techniciens, enfin pas des têtes couronnées, pas des gens connus, mais des gens qui savent, ça a été on va dire mon école de formation continue et un endroit où j'ai appris énormément de choses. J'ai décidé d'essayer de me reconvertir professionnellement dans ce secteur-là parce que je trouvais ça intéressant. Et alors là, le deuxième énorme coup de chance que j'ai eu, c'est que je suis allé voir les gens de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour leur proposer ce qui allait devenir le bilan carbone. Donc j'étais le premier borgne au royaume des aveugles, j'y connaissais rien, ils n'y connaissaient rien, mais enfin j'avais une idée et je suis tombé, alors l'homme sur lequel je suis tombé était un physicien, je suis tombé sur l'OVNI au sein de l'ADEME, c'est-à-dire qu'il y avait un OVNI au sein de l'ADEME, il y avait un type qui avait un doctorat en physique, qui était chef du service économique, qui était un type très sympa, très ouvert, il n'y en avait pas deux comme lui, je n'y connaissais rien, mais il a dû me trouver une bonne tête et il m'a dit banco. Donc le bilan carbone est né comme ça. Et là, j'ai eu un énorme coup de chance parce que maintenant que je connais bien cette maison, je pense que n'importe qui d'autre à qui j'aurais proposé l'idée m'aurait envoyé balader. Donc j'ai vraiment eu un énorme coup de chance. Voilà, et ça a été le début de ma carrière professionnelle dans ce domaine-là. Donc en fait, j'ai pendant un moment suivi en parallèle deux choses. Une formation continue un peu lourde, puisque je me suis documenté de façon extrêmement importante par mes propres moyens en lisant de la littérature scientifique. Et par ailleurs, j'ai commencé à développer donc le bilan carbone, c'est-à-dire un outil ou une méthode plus exactement, qui permet à une entreprise de comprendre à quelle distance elle est du problème, si je dis les choses simplement. C'est-à-dire de comprendre à quoi ressemble son empreinte carbone, à quel processus physique c'est dû, à quel flux sous-jacent de son activité c'est dû, et derrière d'en tirer des conclusions sur la pérennité ou pas de son activité dans un monde qui pourrait être plus ou moins contraint de diverses manières. J'ai fait ça comme indépendant jusqu'en 2007, donc entre la fin des années 90 et 2007, j'ai eu une activité de consultant indépendant. Et puis au milieu des années 2000, j'ai rencontré celui avec qui j'allais créer Carbon 4, qui s'appelle Alain Grandjean, qui à l'époque était également consultant indépendant. Après une vie de dirigeant d'entreprise, il avait dirigé une entreprise qui s'était fait racheter, donc en pareil cas, en général, le dirigeant est prié d'aller voir ailleurs, enfin une fois sur deux, et le dirigeant prié d'aller voir ailleurs. 9 fois sur 10, il se met à son compte comme consultant. En général, c'est ça qu'il fait comme point de chute. Et Alain avait fait de l'économie dans ses jeunes années et il était très intéressé par les questions d'économie de l'environnement. Il en avait même fait un doctorat. Et on s'est rencontrés, on a écrit un bouquin ensemble qui s'est appelé Le plein, s'il vous plaît. Après quoi, on a décidé, comme on s'entendait bien, de fonder Carbone 4 afin, très cyniquement, de pouvoir facturer 10 fois plus cher les entreprises pour que la préoccupation monte d'un cran dans la hiérarchie. Vous savez, dans les entreprises, il y a une règle qui est très simple, c'est plus quelque chose vaut cher, du reste c'est vrai ici aussi, pour votre proviseur, plus quelque chose vaut cher, plus on y prête de l'attention. Donc dans le monde économique, ça c'est une règle qui est extrêmement courante. Et donc une manière qu'on avait très cynique de faire gagner en attention sur la question du climat, c'était tout simplement de s'organiser pour vendre des bilans carbone 10 fois plus cher. Et comme ça, on était sûr que ça allait se rapprocher du patron. Et ça a raisonnablement bien réussi cette stratégie. Donc c'est comme ça qu'est né Carbone 4. Carbone 4 aujourd'hui est une entreprise qui doit compter au dernier recensement 160 ou 165 personnes et qui fait du conseil, de la formation, de l'empreinte carbone personnelle et qui fournit des données au monde financier. Je vous parlerai du monde financier, ça vous amuse. C'est croquignolesque parfois. À côté de ça, en 2010. Alors j'ai eu une chance, c'est que je n'ai pas lu Tocqueville pendant mes études. Donc je ne sais pas si ici il y a des profs de français ou de philo qui vous font lire Tocqueville. Alors je vous donne un conseil, ne le lisez pas et lisez-le quand vous aurez 30 ans. Parce qu'à 18 ans on comprend rien, enfin on comprend pas, on n'a pas vu la vie, donc il y a des tas de trucs qui racontent. Voilà. Mais moi j'ai lu Tocqueville à 30 ans. Et ça a été une révélation et je me suis dit si on veut peser sur le cours des choses dans une démocratie, ce qu'il faut c'est faire un lobby. Et le lobby que j'ai créé s'appelle The Ship Project, donc c'est une association militante qui milite pour la décarbonation de l'économie et qui s'appuie sur un certain nombre d'acteurs ou d'entités qui ont un intérêt parfaitement égoïste à ce qu'on pousse dans la bonne direction. Voilà, ça s'appelle un lobby.
C'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'audience au sein d'une démocratie. Alors, The Shift Project est une association d'entreprises, donc les seuls membres sont des entreprises, mais à côté de ça, on a créé une association de personnes physiques. Tous, petit ours brun veut aider. Donc, toutes les personnes physiques qui voulaient aider le Shift Project, mais qui ne pouvaient pas adhérer au Shift Project, puisqu'on avait décidé de faire une association d'entreprises. Et pour ça, on a créé une association à côté qui s'appelle les Shifters, qui compte aujourd'hui plus de 20 000 personnes. Donc c'est une association qui a grossi très très vite. Et en fait, c'est le nombre qui fait aujourd'hui notre audience. C'est-à-dire qu'en gros, quand un responsable politique apprend qu'il y a 20 000 personnes dans l'association des Shifters, il commence à dresser une oreille intéressée en se disant « Tiens, racontez-moi donc ce que vous avez à me dire ». Donc là aussi, la stratégie a plutôt bien fonctionné, puisqu'on a créé une entité qui est capable d'avoir un peu d'audience. Au sein du Shift Project, on essaye de reproduire ce que j'avais fait dans ma vie avant Carbone 4 et au sein de Carbone 4, c'est-à-dire de prendre les problèmes avec rigueur et méthode, et une fois qu'on les a pris avec rigueur et méthode, d'essayer de proposer des solutions qui nous paraissent tenir compte de tous les paramètres de l'équation, y compris le fait que les gens ne deviennent pas des bisounours en une nuit parce qu'il faut sauver la planète. À côté de ça, je suis aussi devenu enseignant. Alors l'enseignement est quelque chose qui ne me prend qu'une petite partie de mon temps. Par contre, les conférences, ça me prend beaucoup de temps. Si le prix Nobel se décerne à quiconque en a fait plus de 1000, j'y ai droit aussi. Il n'y a pas qu'Al Gore. Donc j'ai commencé à en faire à partir du début des années 2000 et comme j'adore tenir des statistiques sur tout et n'importe quoi, j'ai tenu notamment aussi des statistiques sur les conférences que je fais. Donc à ce jour j'en ai fait plus d'un millier, à peu près la moitié dans le monde économique, pour des salariés, plus rarement pour des audiences plus restreintes, genre des conseils d'administration ou des comités exécutifs, souvent pour des séminaires de managers. Donc vous savez, dans les grandes entreprises, on réunit les 100, 200, 300, 500 premiers cadres, et puis pendant 24 heures, on les fait un peu phosphorer. Donc il m'arrive d'intervenir dans ce genre de choses. Je suis pas mal intervenu pour un quart à peu près de mes interventions dans des établissements d'enseignement, donc typiquement là où on est ce soir, beaucoup de facs, beaucoup de grandes écoles. Et puis le quart restant, il y a un peu de tout, des journalistes en formation. Pendant un moment, j'avais monté avec un copain journaliste une école d'hiver pour journalistes, pour me dire que s'il comprenait un peu mieux de quoi il retournait en matière d'énergie et de climat, il ferait de la meilleure presse. Je ne sais pas si là pour le coup, je ne me risquerais pas à dire que le résultat a été extrêmement probant. Mais enfin, au moins, on aura essayé. J'ai fait d'interventions dans le domaine grand public, j'en ai fait quelques-uns. Aujourd'hui, globalement, je n'en fais plus pour une raison assez simple, c'est que quand on laisse venir qui veut, on n'a affaire qu'à des gens qui ont déjà entendu 50 fois la messe. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Ce que je préfère de très loin dans mes interventions, c'est prendre les gens par surprise. Donc quand vous êtes dans un établissement d'enseignement où les élèves n'ont pas le choix d'être dans la salle, ou bien dans une entreprise où les salariés ou les managers n'ont pas le choix d'être dans la salle, là, vous faites ce que j'appelle une crise par surprise. Donc, vous allez apprendre des choses aux gens qui sont là, parce qu'ils ne sont pas venus en sachant déjà ce qu'ils allaient entendre. Quand vous faites une conférence grand public en libre accès, aujourd'hui, maintenant, l'essentiel des gens, ils viennent en sachant déjà ce qu'ils vont entendre. Donc, c'est comme si vous allez à un concert de Madonna que vous avez déjà vu 20 fois. Vous passez un bon moment, mais vous apprenez rien. D'accord ? Maintenant j'en fais très peu. Ma base arrière en ce qui concerne l'enseignement, c'est l'école des mines de Paris, où je fais un cours pour les premières années, où là je les cueille à froid. C'est très agréable. Avant j'étais en troisième année à l'époque des soirées étudiantes, donc le taux de présence n'était pas extraordinaire, et puis ceux qui venaient roupillaient un peu. Là maintenant je les ai en première année en septembre, donc ils sortent d'établissement comme ici, ils sont très polis, très disciplinés, à l'heure, etc. Nickel. Et après, je laisse le laxisme aux autres. voilà. Et puis enfin, j'ai prolongé cette activité d'intervention et de conférence en écrivant des bouquins. Et donc, la BD que j'ai co-rédigée avec Christophe Blin, c'est lui qui est venu me chercher. Donc, Christophe Blin est un dessinateur et auteur de BD qui s'était fait connaître notamment pour une BD qui s'appelle Quai d'Orsay. Certains d'entre vous ont peut-être lu. Et en fait, c'est Christophe qui est venu me chercher après avoir regardé quelques vidéos. Et il se trouve, pour ne rien vous cacher, que son frère est un client de Carbone 4. C'est lui qui a fait la mise en relation. Et on a donc fait cette BD qui reprend pour une large part le cours que je fais aux mines.
évidemment présenté d'une manière très différente. Et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de faire ce genre de truc, en me disant que c'était une façon de toucher un public beaucoup plus large que des vidéos ou des essais. Et là aussi, il semblerait que ça n'ait pas été complètement raté comme réflexion, puisque effectivement, on en a diffusé un certain nombre. Voilà en gros ce que je fais. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à ma deuxième question. Vous connaissez certainement votre empreinte carbone, donc on voulait savoir par quel geste précis vous avez réussi à la faire diminuer la plus efficacement au cours des années. Et qu'est-ce qui pesait le plus dans votre empreinte carbone d'il y a 10 ans par rapport à présent? Est-ce que vous pouvez nous préciser ce mot? Alors, je vais vous faire une confidence. Ça fait un certain nombre d'années que je n'ai pas recalculé mon empreinte carbone. La dernière fois que je l'ai calculé, c'était avec un outil qui est proposé par Carbon 4, qui s'appelle MyCO2, en bon français dans le texte, sur lequel vous pouvez vous inscrire, parce qu'il y a c'est un calculateur d'empreinte carbone personnelle, mais qu'on ne peut utiliser que dans un cadre collectif. Donc, en fait, il y a des conférences au cours desquelles il y a un animateur qui guide les gens pour qu'ils se servent du calculateur. En fait, c'est fait en groupe. Et vous avez c'est gratuit pour les particuliers, vous pouvez vous y inscrire, myco2.fr. Et vous verrez, donc c'est un calculateur d'empreinte. Alors moi, la dernière fois que je m'en suis servi, c'était au moment des débuts de MyCO2, ça devait être il y a 3 ou 4 ans, et alors de mémoire, j'étais à 7 tonnes quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je fais et ne fais pas dans les choses que j'ai... Dans les choses que je fais, je n'utilise quasiment plus la voiture, sauf pour les vacances. Et même pour les vacances, là, c'est en train de fortement réduire. Je ne prends plus l'avion. J'ai très fortement diminué la quantité de viande rouge que je mange. Donc, je ne suis pas végétarien, mais je mange très peu de viande rouge, peu de ruminants, en gros. J'achète le moins d'électronique possible. Donc, en gros, je remplace mon ordinateur quand il tombe en panne. C'est mon outil de travail par ailleurs. Hein, donc, alors si c'était du reste une empreinte carbone strictement personnelle, l'ordinateur, je ne devrais même pas le compter puisque c'est mon outil de travail. Mais bon, je le compte quand même. Et je me rappelle que j'étais rentré, il y avait un vendeur dans une boutique qui m'avait regardé avec des yeux ronds parce que la dernière fois que j'ai dû remplacer mon smartphone parce qu'il avait ou pris la flotte ou il était, il s'était cassé. Je lui ai dit, je voudrais le truc le moins cher possible et le moins sophistiqué possible. Il m'a regardé avec des yeux ronds. Et voilà. Et enfin, le seul gros geste qui me reste à faire encore, c'est de remplacer la chaudière à gaz de mon domicile par une pompe à chaleur. Voilà ce que je n'ai pas encore fait et ce qu'il faudrait que je fasse. Voilà. C'est le dernier gros truc qui me reste à faire. Et du coup, qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que lycéen pour avoir une empreinte carbone durable? Alors, je vous conseille deux choses. La première, c'est faites le test. Faites un calcul. Vous savez, dans le monde des ingénieurs, il y a une maxime qui est très connue, qui est il n'y a pas de progrès sans mesure. Donc, il faut commencer par mesurer. Et il se trouve que c'est quelque chose qui est mesurable, empreinte carbone. Et c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Parce que souvent, on se fait des idées qui ne sont pas... on n'a pas nécessairement les ordres de grandeur en tête. Donc, la première chose à faire, c'est de faire le calcul. Et puis ensuite, vous êtes des gens intelligents. Donc, vous trouverez... vous voyez bien que si un truc vaut 10 et un truc vaut 1, faut commencer par s'occuper du truc qui vaut 10 si on veut vraiment baisser de manière importante. Il y a une deuxième chose importante en tant que lycéen, c'est de choisir la voie qui sera la vôtre professionnellement. Et ça, c'est également quelque chose auquel il faut que vous réfléchissiez bien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de jeunes qui se retrouvent dans une situation dans laquelle soit ils ont fait des études qui ne leur permettent pas d'arriver à des activités qui sont celles qu'ils aimeraient faire en accord avec le sens qu'ils aimeraient trouver, soit ils se retrouvent dans des endroits et puis après être dans l'endroit en question, eux aussi, ils voient Bernadette et ils se retrouvent pas bien. Dans le métier qu'ils font. Donc il vaut beaucoup mieux se renseigner avant. C'est compliqué d'aller juste au centre d'orientation là, et de dire,
je voudrais avoir un métier qui soit confortable en ce qui concerne la préservation de l'environnement, qu'est-ce que vous me conseillez? Voilà, ça c'est une réponse que vous aurez, enfin vous n'aurez pas la réponse à cette question. Il faut la chercher, il faut la trouver par vous-même, en lisant beaucoup, en vous documentant, en posant des questions à droite et à gauche, etc. Voilà, c'est quelque chose, et ça doit venir de vous. Eh bien, merci Jessica pour ces premières questions. On va maintenant passer à notre deuxième intervieweuse, qui est Clara. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Jean-Covici. Je m'appelle Clara, je suis élève en classe de terminale au lycée Blaise Pascal et éco-déléguée depuis cette année. Ce soir, je vais aborder le thème de la politique et des enjeux que cette dernière aborde. Donc, premièrement, vous identifiez 5 grands postes d'émissions de CO2 dans notre société: les déplacements et la mobilité, le confort du logement, les achats, l'industrie, la nourriture, les services, dont les services publics. Est-ce à dire que nos efforts individuels sont vains si une action collective sur ces 5 postes n'est pas significative? Alors non, ils ne sont pas vains du tout, parce que en fait, quand je parlais d'empreinte carbone tout à l'heure, l'empreinte carbone, c'est simplement compter les émissions de toute l'économie qui a eu lieu avant qu'on dispose d'un produit ou d'un service. Quand je suis allé chez le coiffeur il y a 2 jours, j'ai décidé d'y aller, j'aurais très bien pu ne pas y aller et garder les cheveux plus longs. Et ensuite, j'ai bénéficié d'un service qui a une coupe de cheveux, et ça a une empreinte carbone, parce que le salon de coiffure est chauffé, parce que les gens viennent travailler, parce qu'il a fallu fabriquer les tondeuses, parce qu'il a fallu fabriquer le shampoing, etc. Dans cette affaire, est-ce que la responsabilité des émissions liées à la coupe de cheveux, c'est la faute du salon de coiffure et de L'Oréal, ou c'est ma faute parce que je suis allé me faire couper les cheveux? Bon, bah, vous voyez bien qu'il n'y a pas de réponse évidente à cette question. Si on veut être constructif, chacun va devoir faire un bout du chemin. Donc, du côté du consommateur, on va devoir faire un bout du chemin, et ça s'appelle la sobriété. Donc la sobriété, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt que d'aller chez le coiffeur tous les mois, je vais y aller tous les 2 mois ou tous les 3 mois, voilà. Et plutôt que d'avoir une garde-robe dans laquelle j'ai 30 manteaux, ben, j'aurai une garde-robe dans laquelle j'en ai 2. Voilà, donc ça s'appelle la sobriété. Maintenant, on ne se balade pas encore à poil, on va quand même de temps en temps chez le coiffeur et il nous arrive de manger. Donc l'autre bout du chemin, il doit être fait par la collectivité, et puis il y a des choix qui ne peuvent pas être individuels. Par exemple, un choix d'un parc de production électrique, ce n'est pas un choix individuel. Vous ne dites pas, ben tiens, c'est comme au Monopoly, là, je te prends une centrale, je la mets là, ou je l'enlève, je te la revends. Non. Donc ça, c'est des choix collectifs. Et c'est des choix sur lesquels on ne peut avoir d'influence que comme citoyen ou comme militant ou comme ça relève pas d'un choix individuel. Donc toujours pour prendre cet exemple, le choix individuel, c'est de consommer moins d'électricité, c'est la sobriété, mais il reste un choix collectif qui est de décider celle qu'on consomme quand même, comment on la fait. Voilà. Donc l'action, on va dire, en matière de baisse des émissions, se partage entre des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité individuelle. Parce qu'il n'y a pas de solution technique dans un monde dans lequel on veut toujours plus, tout le temps. Malheureusement, il n'y a pas de solution technique à ça. Et par ailleurs, il y a des efforts à faire du côté de l'industrie, ou du côté des acteurs économiques, qui sont des efforts qui relèvent, encore une fois, des choix collectifs. Alors, collectif au sens où une entreprise, c'est une collection d'individus, et collectif au sens où une entreprise opère dans un cadre réglementé. Et donc, aucune entreprise ne fait exactement ce qu'elle veut. Par exemple, dans mon entreprise, je n'ai pas le choix de tuer quelqu'un s'il travaille mal, formellement interdit par la loi. Toute entreprise, elle a une activité qui est encadrée par des règles qui sont fixées par la collectivité. La collectivité peut changer les règles qu'elle applique aux entreprises ou aux administrations en leur disant maintenant, vous allez faire autrement. Merci beaucoup. Pensez-vous que l'économie avec des grandes entreprises et le capitalisme sont compatibles avec une société décarbonée? Alors je vais pour ça prendre un tout petit recul historique. À l'âge que j'ai vu dans le monde d'autres régimes que le régime capitaliste exister. Il y a notamment eu un grand bloc qu'on a appelé le bloc communiste à l'Est, où j'ai même été très déméguette à la fin des années 80, avant la chute du mur. J'étais parti en URSS à l'époque avec un voyage organisé, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il se trouve que j'avais fait du russe quand j'étais lycéen, donc je m'étais dit, bon allez, je vais essayer de m'en servir pour dire autre chose que vodka. Et donc, l'URSS, est-ce que l'URSS, qui n'était pas un régime capitaliste, hein, était un modèle de vertu environnementale? La réponse est pas plus que de l'autre côté.
Donc, est-ce que... Alors, évidemment, c'est un exemple. On pourrait me dire, ah, mais il y a d'autres exemples, etc. Est-ce que le Venezuela de M. Chavez était un exemple de vertu environnementale? Non, c'était un des premiers producteurs de pétrole d'Amérique latine. Donc, l'idée qu'il suffirait de changer le régime politique, de supprimer le capitalisme et de passer à quelque chose de totalement collectivisé pour supprimer la nuisance environnementale, je dis, bah, l'histoire ne nous montre pas que c'est ça de façon évidente. Et par ailleurs, sortir du capitalisme est quelque chose qui est différent de sortir des multinationales. Souvent, quand on pense capitaliste, on pense très grandes entreprises mondialisées, financiarisées, etc. Mais le Duc d'Orsay, c'est une entreprise qui a... Vous voyez, le Duc d'Orsay, la boulangerie, là. C'est une entreprise capitaliste. D'accord ? Il y a un propriétaire du fonds de commerce. Est-ce qu'il faut que la personne qui fabrique le boulanger du Duc d'Orsay devienne un fonctionnaire ? Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire ? Et c'est pas... Enfin, voilà. Donc, il y a une différence entre capitalisme et multinationales. Les multinationales, c'est une forme particulièrement exacerbée de capitalisme. On peut très bien réguler le capitalisme, c'est-à-dire qu'on peut très bien fixer des limites. Je vais dire un truc idiot, mais on pourrait très bien dire en France qu'il est interdit à une société d'exercer avec plus de 1000 salariés. Je ne dis pas que c'est pertinent ou pas pertinent, on peut le faire. Bon. Donc on a aujourd'hui tout à fait les moyens de réguler, les moyens les réglementaires et législatifs, hein, de réguler le capitalisme. Et ça relève d'un choix collectif. Quand Mitterrand a été élu, je ne dis pas qu'il a eu tort ou raison, je dis juste que c'était possible, il a nationalisé plein d'entreprises. D'accord ? Il y a plein de trucs qu'il a nationalisés. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il a eu tort ou il a eu raison. Je dis juste, s'il y a un choix collectif qui va dans une direction où on veut moins de capitalisme, c'est-à-dire en particulier une activité qui soit directement reprise en main par l'État pour un certain nombre de secteurs ou un certain nombre de grandes entreprises, ça pose pas de problème particulier de le faire. Et il y a des secteurs en France qui sont très peu sortis du giron de l'État quand on compare avec d'autres pays. Je vais notamment prendre l'exemple de la santé. Si vous regardez la manière dont la santé est organisée aux États-Unis, vous avez un appareil public qui est croupion et vous avez énormément d'entités privées avec à l'arrivée du reste un coût de la santé aux États-Unis qui est à peu près le double de ce qu'il est en France pour des gens qui ont une espérance de vie inférieure. Donc la santé est un domaine dans lequel en France on n'est quasiment jamais sorti du giron de l'État. Donc on n'a jamais donné ça au monde capitaliste, sauf quelques cliniques, mais je veux dire globalement l'essentiel de l'appareil de soins est resté dans le giron de l'État. Donc il n'y a pas capitalisme contre pas de capitalisme et puis aucune nuance de gris entre les deux. Hein, j'insiste, on peut réguler le capitalisme et on peut lui réserver une place qui est la sienne et en disant en dehors de ce truc-là, c'est pas son affaire. À présent, je vais vous citer la fameuse phrase de Monsieur Macron. Qui aurait pu prédire la crise climatique ? Pensez-vous que cette phrase d'un dirigeant est la conséquence d'une ignorance, d'une mauvaise ou insuffisante communication de la part des scientifiques ? Alors déjà, il faut savoir qu'un président n'écrit pas ses discours. Donc une première explication possible, c'est que la personne qui a écrit le discours était mal réveillée, venait de s'engueuler avec son conjoint, etc. et que personne n'a vu l'erreur. Il y a une deuxième explication possible. Je crois que M. Macron est un type intelligent. Je ne crois pas qu'il fait nécessairement ce qu'il faut, mais par contre, je pense que c'est un type intelligent. Donc, je pense qu'il a très bien réalisé ce qu'il s'apprêtait à dire. Et il relit, par contre. Il ne fait pas le discours, mais il le relit avant de le prononcer. Donc, je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il y a une explication à cette phrase. Je ne sais pas laquelle c'est. Alors, une hypothèse que je peux faire, maintenant, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est que c'était un message subliminal adressé à un autre parti politique. Non, mais je pense que c'est une explication possible, en disant, on n'a pas l'intention de trop vous enquiquiner ou de trop aller vous chercher des poux dans la tête. Voilà, une hypothèse possible, c'est que c'était un message adressé aux Républicains, en leur disant, soyez avec nous quand on va passer la réforme des retraites et je sais pas quoi, parce que on n'ira pas vous enquiquiner sur un secteur où vous êtes chatouilleux. Si c'est pas cette explication-là, je pense que c'est autre chose qui est du même acabit.
Encore une fois, je ne crois pas qu'un type intelligent comme ça, il ait laissé passer cette expression que j'ai relevée comme tout le monde et que j'ai brocardée comme tout le monde. Hein. Mais je ne le crois pas bête au point de dire un truc pareil sans que ça relève d'un calcul ou d'une savante manœuvre. Voilà. Ce mois-ci, pour la première fois, l'éolien et le solaire ont dépassé en production le charbon en Europe. Cela semble une bonne nouvelle. Qu'en pensez-vous ? Et cette tendance peut-elle être poursuivie sur le long terme, selon vous ? Alors, c'est nécessairement une bonne nouvelle que le solaire et l'éolien produisent de l'électricité à la place du charbon. Ça, c'est très clair. Par contre, je vais juste faire une précision. Je ne vois pas pourquoi on agrège solaire et éolien. On pourrait agréger solaire et hydraulique. On pourrait agréger éolien et hydraulique, hydraulique et nucléaire. Enfin, voilà, je ne vois pas pourquoi on les agrège ces deux-là. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est comparer le carboné versus le décarboné. Ça, c'est la ligne qui me paraît pertinente. Là, en l'occurrence, il se trouve que la nouvelle a été mise en avant par des gens qui aiment beaucoup le solaire et l'éolien. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Mais pour moi, la bonne ligne de fracture, c'est entre carboné et pas carboné. Donc, carboné, vous avez la production électrique au charbon et au gaz. Et un tout petit peu au pétrole, il en reste. Et pas carboné, vous avez toutes les énergies renouvelables, donc l'hydraulique, qui reste la plus importante en Europe, hein, avec à peu près 20% de la production, le solaire, l'éolien et le nucléaire. Le nucléaire fait également 25% de la production électrique en Europe, encore aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'on ait de plus en plus d'électricité décarbonée ? Oui, absolument. La difficulté de décarboner un réseau électrique avec de l'éolien et du solaire, elle n'est pas au début du processus, elle est à la fin du processus. Parce qu'au début, ce n'est pas très compliqué. Ce que vous faites, c'est que vous rajoutez, c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne et en Espagne, vous rajoutez aux moyens fossiles existants des moyens décarbonés intermittents. Donc ce qui s'est passé en Allemagne, alors j'espère que vous êtes familier des unités de puissance dans cette enceinte. En Allemagne, le parc électrique installé avait en 2002 une puissance d'à peu près 100 milliards de watts. Il s'agit de la puissance installée. C'est-à-dire que si tout tourne à fond, ça fait 100 milliards de watts de puissance à un instant donné, de puissance électrique. 100 gigawatts. Donc. En 2023-22, l'Allemagne avait 98 gigawatts de puissance pilotable. Donc en 2002, elle en avait 100 gigawatts, en 2022, elle en a 98. À cela, elle a rajouté 120 gigawatts de puissance éolienne et solaire non pilotable. Donc la puissance non pilotable qu'elle a rajoutée n'a pas permis de baisser la puissance pilotable de manière significative. Par contre, ça permet de baisser son facteur de charge, c'est-à-dire qu'en moyenne dans l'année, on s'en sert moins souvent. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on installe des éoliennes et des panneaux solaires, ça ne permet pas de supprimer des moyens pilotables, ça permet de s'en servir moins souvent et du coup d'économiser le gaz et le charbon qu'on utilise dans ces moyens et qu'on aurait utilisé sinon. On le voit bien du reste dans l'alternance entre anticyclone et dépression l'hiver. Alors l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, hein, donc le solaire produit peu. Et selon qu'on est en dépression ou en anticyclone, pour ceux d'entre vous qui s'amusent à aller regarder les sites qui donnent les modes de production électrique qui sont utilisés à un instant donné, vous avez le site de RTE qui fait ça pour la France, et vous avez une application qui s'appelle Electricity Map qui fait ça pour l'ensemble de l'Europe, donc vous pouvez aller regarder. Dès qu'on est en condition anticyclonique, ce qui est le cas maintenant, vous voyez que c'est essentiellement les moyens fossiles qui sont utilisés pour produire l'électricité. Donc en fait, il y a un phénomène de balancier entre les deux. Alors tant qu'on est au début du déploiement des énergies éoliennes et solaires, on a de moins en moins de charbon dans la production électrique et de moins en moins de gaz. Donc ça, c'est parfait parce que ça permet de baisser les émissions de CO2. La question, c'est comment est-ce qu'on supprime totalement le charbon et le gaz ? Et pour le moment, on n'a pas la réponse. Parce que pour ça, il faudrait être capable de stocker les surplus d'électricité éolienne et solaire quand il y en a beaucoup, histoire de les déstocker quand il n'y en a pas beaucoup. Et ce stockage, il doit se faire essentiellement sur des périodes de temps qui vont de quelques mois à quelques années. C'est-à-dire que ce n'est pas le stockage à l'échelle de la journée qui pose problème. Ça, on sait faire avec des batteries et on sait faire avec de la flexibilité, parce que la nuit, vous dormez. Enfin, en tout cas, j'espère que ce que vous faites, c'est ce que vous faites, sinon vos parents vont faire un peu la gueule. Du coup, la consommation électrique baisse, donc moins de consommation électrique, moins de solaire, bon, ouais, voilà. Mais par contre, d'un trimestre sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, il peut y avoir des grandes variations des conditions météo et d'une année sur l'autre également. Hein. Vous avez d'une année sur l'autre, la quantité de vent et de soleil peut varier de 20%.
Et donc, ça veut dire que si on a un système qui est essentiellement basé sur des moyens qui produisent quand il y a du vent et du soleil, il faut avoir les moyens de stocker de l'électricité en quantité significative sur des mois ou des années. Et là, ça devient un vrai problème parce que ces moyens de stockage aujourd'hui n'existent pas. Et quand on regarde le sol qui pourrait être à l'échelle, en fait, ça serait de faire du gaz de synthèse avec l'électricité quand il y en a. Et le rendement électricité vers gaz de synthèse et gaz de synthèse vers électricité, il est de 25% à peu près. Il est extrêmement mauvais. Ça veut dire qu'il faudrait produire 4 fois plus de kilowattheures que ceux qu'on va déstocker pour tout ce qu'on aurait besoin de stocker sur plusieurs mois. Et aujourd'hui, personne n'a les plans pour construire ce genre de choses à l'échelle. Donc en fait, le début de l'histoire aujourd'hui va bien, et il est très intéressant, et est intéressant à prendre. La fin de l'histoire aujourd'hui, peu de gens sont capables de les... Enfin, aujourd'hui, elle n'est pas écrite, et les plans qu'il y a pour l'écrire sont fragiles. Merci beaucoup. Nous passons donc au troisième thème, l'énergie. Mia, à toi. Merci Tony. Donc bonsoir Monsieur Jancovici, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Mia, je suis actuellement en terminale et je suis éco-déléguée depuis 3 ans. Donc comme Tony l'a dit, je vais vous poser des questions sur le thème de l'énergie et notamment sur les problématiques qu'elles peuvent, que ces énergies peuvent engendrer. Donc tout d'abord, vous parlez parfois d'un pic de production du pétrole qui a été atteint il y a quelques années. Pouvez-vous expliquer en quoi ce pic est important ? Et quelles conséquences il a sur nos sociétés? D'accord. Alors le pétrole qu'on fait sortir aujourd'hui de terre, c'est des résidus de plancton et de microalgues. Enfin des résidus, oui c'est ça. C'est du plancton et des microalgues qui ont vécu n'importe quand entre il y a 5 millions d'années et il y a 400 millions d'années. Et qui sont, après leur mort, tombés sur le plancher océanique, qui ont été enfouis sous terre par la tectonique des plaques, qui ont été gentiment cuisinés par la géothermie, et qui ont fini par se transformer par une forme de pyrolyse, hein, par une forme de craquage, en des molécules de gaz, de pétrole, qui se sont ensuite accumulées dans des roches poreuses, qu'on appelle des roches réservoirs. Parfois, ce gaz et ce pétrole ne sont pas sortis de la roche mère où ils ont été formés, et à ce moment, quand on exploite ce pétrole ou ce gaz-là, ça s'appelle du pétrole ou de gaz de roche-mère, et dans le français courant, ça s'est passé avec l'expression gaz de schiste ou pétrole de schiste. Historiquement, le pétrole qu'on a toujours exploité, c'est le pétrole de roche-réservoir, donc c'est du pétrole qui est sorti des roches-mères et qui est allé s'accumuler dans des roches poreuses qu'on appelle des roches-réservoirs. Pour faire sortir du pétrole de terre, il y a une opération préalable qui est difficilement évitable, qui s'appelle découvrir le gisement. Difficile de faire sortir de terre du pétrole qu'on n'a pas découvert. La courbe des découvertes de pétrole est quelque chose qui n'est pas public. Ou plus exactement, vous avez des synthèses qui sont rendues publiques de temps en temps, mais les informations primaires qui permettent de publier ce genre d'informations ne sont pas publiques, parce que les découvertes sont le fait des opérateurs du monde pétrolier, les Total, Exxon, Saudi Aramco et autres NIOC. NIOC, c'est la National Iranian Oil Company. Les découvertes que font ces compagnies, il n'y a pas d'obligation de publicité. D'accord ? On ne leur demande pas de rendre ça public, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que pour savoir exactement ce qui s'est passé dans le monde pétrolier au niveau des découvertes, il faut aller un peu à la pêche aux infos et trouver quelques experts un peu rangés des voitures qui, entre la poire et le fromage, vous raconteront ce qui se passe. Quand on arrive à avoir ce genre d'informations, en fait, la courbe des découvertes en ce qui concerne les gisements qu'on appelle conventionnels, donc les roches réservoirs en question, est passée par un maximum à peu près au moment de l'année de ma naissance. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport direct de cause à effet, mais c'est à peu près à ce moment-là que ça s'est produit. Donc là, l'extraction du pétrole venant de roches réservoirs, donc là où ça s'est accumulé après migration en dehors de la roche-mère, est passé par un maximum en 2000, un peu avant les années 2010. Alors les experts du monde pétrolier que je fréquentais disaient 2006, l'Agence internationale de l'énergie a dit 2008, bon, à une année près, on va dire que c'est 2007. Et depuis, ça décline. Et maintenant, il y a un certain nombre de gens qui disent publiquement, effectivement, que ça décline. Et quand vous regardez la production de pétrole, les statistiques, hein,
en provenance d'un certain nombre de zones du monde, vous voyez bien que ça décline et que ça décline significativement. L'Afrique a passé son pic de production en 2009, la mer du Nord l'a passé en 2000, la Russie vient de le passer, elle aurait dû le passer en 2021, mais à cause de la guerre en Ukraine, elle l'a passé en 2019. L'Asie, la Chine l'a passé en 2015, de mémoire. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de pays comme ça qui ont, pour lesquels le pic était bien documenté. Et il se trouve que quand on a passé le pic de production du conventionnel, ça a fait très fortement monter les prix et ça a rendu rentable de s'attaquer au pétrole dit de schiste. Alors en fait, le pétrole dit de schiste, c'est une énergie, un hydrocarbure très particulier, parce que quand vous faites un forage dans une roche-mère pour en extraire le pétrole qui s'y trouve toujours, si le pétrole n'a pas spontanément migré en dehors de la roche-mère pour aller se mettre dans une roche-réservoir, c'est que la roche-mère, elle est très peu poreuse, d'accord ? C'est que le pétrole, il circule mal. Donc pour créer de la porosité, on va faire ce qu'on appelle de la fracturation. Vous avez peut-être entendu parler de la fracturation hydraulique. Ce qu'on fait, c'est qu'on creuse avec un tuyau, on fait un forage horizontal dans la roche, de n'importe quoi, entre 500 mètres et 2 km. Ce forage horizontal est fait avec un tuyau dans lequel il y a des petits trous, et ensuite avec un bélier hydraulique, on va créer des surpressions très fortes en sortie de ces petits trous qui vont fracturer la roche au droit des petits trous et créer un réseau de fissures. Alors ce réseau de fissures permet de faire circuler un peu de pétrole, mais beaucoup moins de pétrole que si l'ensemble de la roche était très poreuse et très perméable, comme dans une roche réservoir. Du coup, vous allez avoir un pulse de pétrole qui va sortir du puits, c'est-à-dire que le puits va être très productif pendant quelques mois, quelques semaines, et puis derrière, la production va se mettre à baisser très très vite, et au bout d'un an, vous vous retrouvez avec 10 ou 20% maximum de la production maximale que vous aviez 15 jours après la mise en production du puits. Ce qui veut dire que si à partir d'un champ de shale oil, enfin d'une roche-mère enfouie sous terre de shale oil, vous voulez avoir une production de pétrole ne serait-ce que constante, vous devez forer des puits absolument en permanence. Et les coûts de forage de ces puits sont suffisamment élevés pour qu'aux États-Unis, tant qu'on était en croissance forte de la production de shale oil, ce qui a été le cas entre 2014 et 2018, aucun opérateur ne gagnait d'argent. En cash flow, ils étaient tous, c'est-à-dire en dépenses de trésorerie annuelle, ce qu'ils devaient payer pour faire des forages additionnels leur coûtait beaucoup plus cher que l'argent qu'ils arrivaient à gagner en vendant le pétrole. Au bout d'un moment, les actionnaires et les banquiers ont fini par dire qu'ils ne trouvaient pas ça drôle. Et là-dessus arrive le Covid. Mais au Covid, ça avait déjà commencé à se calmer un peu. Et depuis, les opérateurs de Shell Oil, ils ont une tactique qui est très différente. Ils forent un peu, mais pas beaucoup. Ils vivent sur les queues de puits résiduelles, etc. Et là, comme ils investissent beaucoup moins, ils gagnent beaucoup mieux leur vie. Mais comme ils investissent beaucoup moins, la production ne peut pas augmenter aussi vite. Donc en fait, le shale oil est une énergie très particulière où on gagne bien sa vie quand la production n'augmente pas beaucoup. Donc du coup, c'est une marge de manœuvre qui n'est pas à l'échelle pour compenser le déclin des gisements dits conventionnels, c'est-à-dire des roches réservoirs. On a fait une analyse au Shift Project qu'on a confié à deux anciens cadres dirigeants de Total à partir d'une base de données de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde. Et la conclusion qu'on en tire, c'est qu'il n'est pas exclu que le pic de production de l'ensemble des pétroles dans le monde ait été passé en 2018. On va attendre un peu pour voir. En tout cas, ce qui paraît raisonnablement assuré, c'est que même en incluant le pétrole de schiste, d'ici à 2030, la production mondiale devrait commencer à décliner de manière rapide. Je rappelle que l'Europe est importatrice de la quasi-totalité, l'Union européenne, de la quasi-totalité du pétrole qu'elle consomme. Si vous rajoutez la Grande-Bretagne et la Norvège, qui maintenant sont deux pays extra-européens, la Norvège l'a toujours été, la Grande-Bretagne l'est depuis le Brexit, l'Europe peut aujourd'hui compter sur à peu près 25% d'approvisionnement domestique avec la mer du Nord, un peu moins de 25%. Et incidemment à peu près 40% en ce qui concerne le gaz, avec la Norvège et la Grande-Bretagne. Donc l'Europe important une bonne partie de son pétrole, le fait que la production se mette à baisser fortement dans le monde signifie que les exportations des pays producteurs vont baisser encore plus vite, parce que là-dedans, vous avez un certain nombre de pays qui vont réserver le pétrole à leur population domestique avant de se le garder. Ce qui fait que, climat ou pas climat, en Europe, de toute façon, la quantité de pétrole à notre disposition va diminuer très très fortement d'ici à ce que vous ayez mon âge. Et quand je dis très fortement, c'est n'importe quoi entre une division par 2 et une division par 20. D'accord. Merci beaucoup.
Donc, ce pic de pétrole concerne des énergies dites fossiles, mais d'autres énergies existent, des énergies dites renouvelables, on en a parlé plus tôt. Dans celle-ci, il y a l'énergie nucléaire. Pouvez-vous préciser en quoi cette énergie pourrait ou ne pourrait pas être une énergie désirable à l'avenir, jusqu'en 2100 par exemple, que nous, lycéens, verrons sûrement. 2100 ? Oui, oui, 2100. Vous avez l'intention d'être centenaire ? le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie décarbonée. Les énergies renouvelables... Alors, il y a du reste une petite ambiguïté sur le terme renouvelable, parce que quand on utilise des énergies renouvelables, l'énergie est renouvelable, mais le collecteur qu'on utilise pour collecter l'énergie, lui, ne l'est pas. Quand vous utilisez un panneau solaire ou que vous utilisez une éolienne, vous utilisez du métal, le métal, ce n'est pas renouvelable. D'accord ? Il ne s'en crée pas à mesure qu'on l'extrait de terre. Hein. Donc il y a une toute petite ambiguïté sur le mot renouvelable, qui est qu'effectivement le dispositif est alimenté par un flux qui se renouvelle, mais renouveler le dispositif lui-même peut ne pas être simple. Hein. Alors en ce qui concerne l'énergie nucléaire, rien n'est renouvelable. Hein. La centrale est faite avec du métal pas renouvelable et elle utilise de l'uranium pas renouvelable. Par contre, elle a une caractéristique qui est qu'elle est décarbonée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une énergie carbonée ? C'est tout simplement une énergie qui est basée sur l'oxydation d'atomes de carbone. Donc la combustion du pétrole, la combustion du charbon et la combustion du gaz, chimiquement ce sont des réactions d'oxydation, donc ça consiste essentiellement à récupérer de l'énergie, c'est des réactions exothermiques, hein. Ça consiste à récupérer de l'énergie en associant les atomes d'hydrogène et de carbone qui sont contenus dans ces molécules avec de l'oxygène, et ça dégage de l'énergie, ça dégage aussi du CO2, ce qui est le sujet. L'énergie nucléaire, elle a une base totalement différente, elle consiste à fissionner un gros noyau en deux, à casser en deux, un noyau d'uranium, et ça fait pas de CO2. Casser un noyau d'uranium en deux, par définition, c'est pas équivalent à oxyder un atome de carbone, hein, c'est différent. Alors il y a quand même un tout petit peu de CO2 dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire, parce qu'il faut fabriquer les dispositifs de production, et pour ça vous avez besoin de ciment et d'acier, et le ciment et l'acier sont produits en émettant du CO2. Vous avez besoin d'autres métaux, et la métallurgie des autres métaux émet également du CO2. Vous avez besoin d'une industrie chimique, parce que vous avez aujourd'hui des composés chimiques dans la totalité des objets industriels, y compris les panneaux solaires, les éoliennes et les centrales nucléaires, donc, etc. Et enfin, vous avez également, en ce qui concerne le nucléaire, des opérations minières à l'amont. Donc vous avez des engins qui fonctionnent au diesel, qui vont chercher le minerai, etc. Donc tout ça fait que vous avez quand même un peu de CO2, même dans les énergies dites décarbonées. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous faites, alors ça va être que des énergies électriques hein, que je vais évoquer, quand vous faites un kilowattheure électrique avec du charbon, vous mettez à peu près 1 kg de CO2 dans l'air. Quand vous faites un kilowattheure électrique avec du gaz, vous mettez à peu près 400 g de CO2 dans l'air. Quand vous faites un kilowattheure électrique avec de l'hydraulique ou de l'éolien, vous êtes à peu près à 10 g de CO2 dans l'air. Avec du nucléaire, vous êtes à peu près à 5. Avec du photovoltaïque, alors ça dépend beaucoup de l'insolation, mais en France, on est à peu près à 40. Tout ça pour vous fixer des ordres de grandeur. Quand vous stockez, déstockez un kilowattheure sur une batterie, ça vous coûte 50 g de CO2 par kilowattheure stocké, déstocké. Parce qu'il faut faire la batterie. Voilà, donc vous avez une échelle comme ça. Donc le nucléaire fait partie des énergies décarbonées. Alors quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Ses avantages, c'est que c'est une énergie extrêmement dense. La densité d'énergie. Alors pour vous donner, là aussi je vais utiliser quelques notions de physique élémentaire. Au niveau des atomes, vous avez une unité d'énergie qui s'appelle l'électron-volt. Alors, je ne sais pas si vous avez... Oui, ça vous dit quelque chose ? Ok, c'est parfait. Quand vous faites une oxydation, vous faites une transition électronique dans les atomes et vous libérez une énergie de quelques électrons-volts par atome qui est oxydé. D'accord ? Enfin, ou plus exactement par électron qui intervient dans l'oxydation. Quand vous faites une fission d'un noyau d'uranium, vous libérez une énergie de 200 millions d'électrons-volts. D'accord ? Donc quelques électrons-volts pour une combustion par atome, 200 millions d'électrons-volts par atome pour une fission. Ça explique pourquoi, quand vous fissionnez un gramme d'uranium, vous récupérez autant d'énergie que si vous brûlez une tonne de pétrole, c'est-à-dire 1 million de fois plus de masse. Donc de là, vous avez l'avantage de l'énergie nucléaire, c'est une énergie extrêmement dense, donc qui permet d'avoir de très grandes quantités d'électricité en mobilisant très peu de surface et très peu de matière. D'accord ? Vous mobilisez peu de surface et vous mobilisez peu de matière.
Quels sont ses inconvénients? Comme vous avez une réaction qui est extrêmement dense, il faut mettre ceinture et bretelles pour éviter que ça vous cause des ennuis. Donc, il faut mettre plein de béton, plein d'acier, plein de machins, etc. Et donc, c'est des assemblages qui sont un peu compliqués et qu'il faut surveiller de près. Le deuxième inconvénient, c'est que vous produisez des substances indésirables comme pour toute production d'énergie. Donc là, en l'occurrence, ça s'appelle des produits de fission et des transuraniens. C'est ce qu'on appelle les déchets nucléaires. Et c'est des trucs qu'il faut surveiller d'un peu près. Il faut les soustraire à la vue de tous. Enfin, il faut les mettre dans un endroit où on ne va pas s'en rapprocher. Et bien les surveiller pendant un certain temps. Le troisième inconvénient, et pour moi le principal de l'énergie nucléaire qu'on utilise aujourd'hui, c'est que de l'uranium-235, il n'y en a pas des quantités infinies. Seuls les isotopes impairs sont fissiles. Donc on ne sait pas fissionner. L'uranium-238 ne fissionne pas. Il se trouve, parce qu'il est un isotope pair, et il se trouve que c'est l'essentiel de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Plus de 99% de l'uranium qu'on trouve dans la nature, c'est l'isotope-238 qui ne fissionne pas. L'isotope-235 qui fissionne, c'est 0,7% de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Il n'y a pas assez d'uranium-235 dans la nature pour qu'on puisse imaginer de remplacer une fraction très significative du parc de centrales à charbon que nous avons dans le monde aujourd'hui par des centrales nucléaires à l'uranium-235 pour quelques siècles. Voilà, il n'y en a pas assez. Ce qui veut dire que le seul nucléaire véritablement durable, si on a envie de choisir cette voie, c'est celui qu'on appelle dit de quatrième génération, qui exploite soit l'uranium-238, soit le thorium-232, qui sont beaucoup plus abondants que l'uranium-235. Donc ce n'est pas les modèles qu'on a aujourd'hui. Alors les modèles qu'on a aujourd'hui ne posent pas de problème d'approvisionnement, c'est le grand paradoxe, ils ne posent pas de problème d'approvisionnement en uranium tant qu'ils représentent une petite partie de la production électrique. Donc en fait, tant que ce n'est pas une grosse solution dans le domaine de la production électrique, ça ne pose pas de problème en matière d'uranium, mais si ça devait devenir une grosse solution, on aurait des problèmes en matière d'uranium. Voilà. Donc voilà en gros les avantages et les inconvénients du nucléaire. Dans les inconvénients, il y a aussi le fait que si on ne fait pas attention, on peut avoir des ennuis avec un accident de centrale. Alors deux ou trois précisions quand même, la centrale qui a produit l'accident le plus meurtrier dans le monde, qui est la centrale de Tchernobyl, est d'un modèle qui n'existe pas en Europe occidentale. C'est une centrale qui avait du graphite dans le cœur. Les centrales que nous avons en Europe occidentale n'ont pas de graphite dans le cœur. Et c'est parce qu'il y avait du graphite dans le cœur qu'il y a eu un incendie qui a propulsé des matières radioactives particulièrement haut dans l'atmosphère et qui ensuite se sont disséminées particulièrement loin du lieu de l'accident. Donc ça ne veut pas dire qu'en France on ne pourrait pas avoir un accident, mais si on a un accident, il ressemblera à ce qu'il y a eu à Fukushima ou à Three Mile Island, qui sont des accidents qui n'ont pas fait de mort du fait du surplus de rayonnement relâché dans l'environnement. Ça a fait des... Fukushima, il y a eu des morts à cause de l'évacuation, mais il n'y a pas eu des morts à cause du surplus de rayonnement relâché dans l'environnement. Cela étant, quand on compare les accidents les plus ennuyeux qu'on ait eu avec des installations de production d'électricité, ce qui arrive en tête, figurez-vous, c'est les barrages. Les accidents de barrage ont été de très loin les accidents les plus meurtriers concernant des installations de production électrique dans le monde. Vous avez un barrage hydroélectrique en Italie, qui est le barrage de Vajon-Longarone, qui a fait l'objet d'un accident à la fin des années 50, au début des années 60, je confonds toujours avec Fréjus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un glissement de terrain dans le lac de retenue. Du coup, l'eau du lac de retenue est passée par-dessus le mur du barrage, a dévalé à l'aval et il y a eu 2500 morts. Et il y a eu bien pire en Chine dans les années 70. Mais pour revenir au nucléaire, avantage inconvénient à la SERP, je vous ai à peu près dit. Le dernier gros avantage du nucléaire, évidemment, par rapport aux énergies renouvelables non pilotables, c'est le fait qu'il est pilotable. Mais par contre, l'hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable pilotable, est également quelque chose qui s'est beaucoup développé dans le monde et qui aujourd'hui est de très loin la première source de production électrique d'origine renouvelable. Et c'est assez facile, quand il y a beaucoup de montagnes, de faire un système 100% renouvelable à base d'hydroélectricité. La Norvège l'a fait, l'Islande a de la géothermie aussi. Vous avez un certain nombre de pays d'Amérique centrale qui l'ont fait. Le Brésil a essentiellement un approvisionnement hydroélectrique, donc c'est facile de faire un système 100% renouvelable quand on a beaucoup d'hydroélectricité. Je répète que par contre, avec les modes intermittents et fatals que sont l'éolien et le solaire, ça sera une autre paire de manches. D'accord, merci beaucoup. Je profite du fait que vous avez parlé des déchets nucléaires pour poser une question à Hervé Doll ici présent. Donc, j'aimerais savoir que répondez-vous aux personnes qui proposent d'envoyer les déchets nucléaires dans l'espace ? Alors d'abord, il y a peu de gens qui posent cette question, heureusement. Ensuite, c'est probablement une très mauvaise idée.
Il y a un coût énergétique pour aller dans l'espace. Hein. Alors moi qui fais du spatial à l'Université Paris-Saclay, alors j'ai fait un petit calcul de coin de table cher à notre cher collègue Jean-Marc Jancovici. Donc c'est de l'ordre de 1 terajoule pour envoyer quelques tonnes dans l'espace en orbite basse. C'est ce qu'on fait pour plein de satellites qui sont utiles à la société. Hein. Je ne parle pas des déchets. On voit avec le tremblement de terre en Turquie, en Syrie, le suivi satellitaire pour les grandes catastrophes, etc. Puis pour le réchauffement climatique aussi, beaucoup de données viennent des satellites. Donc il y a quand même une utilité sociale des satellites. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a probablement pas. Il y a aussi des aspects éthiques et moraux que je n'aborderai pas, mais enfin, envoyer ces déchets chez le voisin, c'est jamais très très bien. Hein. On l'a fait pour les océans, on voit que ça nous retombe dessus, etc. Donc aller dans l'espace pour mettre des déchets, c'est probablement pas une bonne idée. Et puis, donc très mauvaise idée, très chère, très coûteuse en énergie. Et puis, il y a eu des petites expériences qui ont été faites, alors là, scientifiques qui ont mal tourné, c'est d'envoyer des... c'est un mauvais terme, un réacteur nucléaire dans l'espace, ça existe, ça s'appelle des RTG. Les Américains et les Russes ont cette technologie, les Européens n'ont pas décidé de l'avoir. Ce sont des petits réacteurs qui sont à peu près de la taille de cette table, enfin il y a plusieurs tailles. On en a utilisé sur la Lune, les missions Apollo, plusieurs missions spatiales. Quand vous allez au-delà de Mars, il n'y a plus assez de... Enfin, il y en a, mais il n'y a plus assez d'énergie solaire, donc il faut des grands panneaux solaires, c'est très compliqué à construire. Donc vous envoyez ces RTG dans vos missions spatiales pour avoir de l'énergie jusqu'à Saturne, jusqu'à Pluton, etc. Et alors, il y a eu quelques accidents. Il y a eu notamment Apollo 13, si vous connaissez le film ou si vous êtes assez ancien pour avoir vécu ça. Donc, les Américains sont revenus et donc, il y a un RTG d'Apollo 13 qui se trouve dans le Pacifique Sud, qui est radioactif, qui est tranquille. Mais alors, ils ont mis une sorte de couverture, enfin de caisson qui fait qu'a priori, c'est toujours bien confiné, mais la durée de vie, c'est à peu près 1000 ans de radioactivité. Et puis il y a d'autres expériences, on a envoyé aussi des RTG sur, alors j'ai oublié mes notes, hein, sur Mars, Pioneer, Voyager, donc aux confins du système solaire. Donc, mauvaise idée d'envoyer des déchets nucléaires dans l'espace, outre le coût et puis la technologie. Alors maintenant, quand on envoie des RTG, ça arrive encore un petit peu dans l'espace, il y a tout un protocole, alors c'est surtout les Américains qui font ça, avec... des caissons, on évacue un peu les gens au cas où le lancement se passe mal, et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous entamons donc le quatrième et dernier thème de la soirée, l'avenir et tout ce que cela implique. Merci. Alors, je voulais savoir, au-delà des évolutions à moyen terme qui se dessinent, quelle société idéale vous appelez de vos voeux pour 2050 ou 2100 ? Et est-ce que la décarbonation de nos sociétés ne va pas creuser des inégalités sociales dans notre pays et entre les pays, notamment avec les pays du Sud ? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question avec une affirmation qui va vous surprendre. La carbonation de nos sociétés a considérablement fait baisser les inégalités. Ce qui s'est passé quand vous regardez les statistiques économiques françaises, en 1900, les 1% les plus riches des Français, donc ceux qui avaient les 1% détenant le plus de patrimoine, détenaient quasiment 60% du patrimoine des Français, les 1% les plus riches. Les 1% les plus riches en 1980 ne détenaient plus que 15% du patrimoine des Français. Donc ils ont vu leur part relative dans la détention du patrimoine des Français divisée d'un facteur 4. En ce qui concerne les revenus, c'est pareil, les 1% qui gagnaient le plus d'argent dans le pays en 1900 gagnaient à peu près 25% de l'ensemble de ce que gagnaient les Français, salaire et rente, hein, donc salaire, loyer, etc. Et en 1980, c'était descendu à 8%. Donc, l'Anthropocène a eu notamment pour effet de diminuer très fortement les inégalités. Socialement, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été l'émergence des classes moyennes. À quoi est due l'émergence des classes moyennes ? À l'avènement des machines, qui a permis d'avoir beaucoup plus de production et donc de redistribuer cette production de manière massive. Et la redistribution de cette production, ça a été l'accès au logement, ça a été l'accès à la voiture, ça a été l'accès à l'électroménager, ça a été l'accès aux loisirs, ça a été l'accès au temps libre, ça a été etc. Donc, oui, la question se pose. Dans un monde où l'approvisionnement énergétique va se contracter, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on retourne vers une société très inégalitaire, qui était celle que... Donc, quand on dit aujourd'hui que le monde est très inégalitaire,
il l'est plus qu'en 1980. Et ce n'est pas un hasard, parce que 1980 correspond à l'arrêt brutal de la hausse de l'approvisionnement énergétique par Français. Donc jusqu'en 1980, l'approvisionnement énergétique par Français augmente fortement, c'est-à-dire que le parc de machines en service par Français augmente fortement. Et donc, le curseur se déplace en faveur de l'augmentation de la masse des classes moyennes et donc de la baisse des inégalités. En 1980, paf, cette affaire-là s'arrête. En fait, le choc pétrolier de 1973 et 1979, ça n'a pas été juste un choc de prix, ça a été un choc de dérivés. C'est-à-dire que l'approvisionnement augmentait fortement, il s'est arrêté d'augmenter. Hein, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, c'est ça qui a mis l'économie au ralenti depuis cette époque-là. À ce moment, les inégalités ont recommencé à augmenter, mais doucettement, les inégalités aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient en 1900. Le monde aujourd'hui est beaucoup plus égalitaire en France qu'il ne l'était en 1900. Mais il y a un vrai risque, effectivement, que dans un monde où l'énergie se contracte, les inégalités augmentent fortement. Et il n'y a pas, alors pour en revenir, pour faire le lien avec la première question, il n'y a pas de monde idéal. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Je sais que les Français, pays héritiers de la Révolution, adorent passer d'une situation qui serait une situation infernale à une situation géniale. Donc on fait la Révolution, et puis le lendemain de la Révolution, tout est merveilleux. Voilà. À l'âge que j'en suis un peu revenu. Je pense que malheureusement, d'abord, les révolutions qui se font sans bain de sang, l'histoire montre qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand un truc est brutal, en général, la situation derrière est instable. Et quand elle est instable, ce n'est pas toujours meilleur. Si on veut que la situation évolue vers une certaine forme de stabilité, malheureusement, ça prend un peu de temps. Et c'est clair qu'il y a une ligne de crête un peu étroite entre aller trop lentement et aller trop vite. Et ça veut dire qu'il n'y a pas, malheureusement pas de solution idéale. Pas très difficile de décrire le grand soir qui permettrait derrière de trouver une solution optimum. Ce qu'on a fait comme tentative au Shift Project sur la partie décarbonation de la société, donc ce n'est pas une solution idéale, c'est on a proposé un mode de raisonnement qui consiste à dire avant de raisonner argent, on va raisonner physique, et donc on va regarder dans un monde qui se décarbone, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'habitude de vie, en termes de production physique, combien on produit de voitures, combien on produit de vélos, combien on élève de vaches, combien on achète de t-shirts, combien on a de mètres carrés par personne, combien, etc. Donc on décrit ça en fonction physique. Et de quelles compétences on a besoin, donc ça renvoie aussi à la question que vous avez posée tout à l'heure sur nous lycéens, où est-ce qu'on doit aller. Là aussi c'est un travail qu'on a fait au Shift Project, qu'on a commencé à regarder comment se déplaceraient les compétences dont on a besoin pour réorganiser la société dans cette direction. Mais ça sera quelque part un travail d'interaction permanente. C'est-à-dire qu'en permanence, on a une idée de la direction dans laquelle il faut aller. Et les actions concrètes qu'on est amené à prendre, elles sont toujours fonction des circonstances. Donc il y a une partie, il y a une partie de stratégie et de plan général qu'il faut être capable de conceptualiser et de formuler. Et puis derrière, dans l'exécution, il y a une large partie qui vient des circonstances du moment sur lesquelles c'est très difficile de dire à l'avance, d'écrire par le menu exactement tout ce qu'il faut faire. Il y a eu récemment des actions choc pour alerter sur l'inaction climatique, comme par exemple les blocages de la circulation ou les actions dans les musées, ou bien le sitting proche des mines de charbon. Que pensez-vous de ces actions ? Alors ces actions, c'est des variantes de la manifestation qui sont une vieille tradition dans les démocraties. Du reste, quand j'étais dans ces lycées, j'ai été manifesté, je ne me rappelle plus contre quoi, mais je sais que j'ai été manifesté. Donc on était sortis dans la rue là, en disant non à je ne sais pas quoi du reste, mais bon. C'est... Il faut faire ça dans sa vie, une fois, au moins. Les manifestations, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est normal. Dans une démocratie. Bon, les gens qui ont jeté de la soupe sur une boîte en verre, personnellement, j'en fais vraiment pas un fromage. Je veux dire, ils n'ont pas dégradé l'œuvre. Voilà, c'est comme si on jetait ici de la soupe sur la vitre. Bon, pas de quoi en faire la une des journaux. Les gens qui font des sit-in pour bloquer la circulation, bah, ma foi, ils gênent ni plus ni moins les gens que quand les conducteurs de la RATP se mettent en grève, ce qui est un droit qui leur est constitutionnellement reconnu. Donc là, c'est pareil, je ne considère pas que ce soit quelque chose qui soit considérablement plus criminel.
Les manifestations près des mines de charbon, c'est pareil. On est dans le registre de la protestation. Ça a toujours existé et ça compte. En France, on a eu ça aussi. Hein, ça date pas des bassines et de machin. Hein, Crest-Malville, il y a eu, enfin voilà, il y en a eu des trucs. Hein. Donc est-ce qu'il faut interdire ce genre de choses? Je pense que même si on les interdisait, de toute façon, il y en aurait parfois. C'est comme ça. Ce qui est intéressant, c'est quelles conclusions on en tire. Alors l'Allemagne, en ce qui concerne le charbon, est aujourd'hui dans une situation qui est une situation compliquée, parce que en choisissant de supprimer des moyens pilotables qui étaient le nucléaire, du coup, elle est condamnée à conserver des moyens pilotables qui sont fossiles. J'ai expliqué tout à l'heure que pour le moment, on ne pouvait pas se passer de moyens pilotables, et notamment de ces centrales à charbon. Et les centrales à charbon qui fonctionnent en Allemagne sont des centrales qui utilisent un charbon qui se trouve dans des mines à ciel ouvert, qui s'appellent des mines de lignite. Donc la lignite, c'est un mauvais charbon, c'est le charbon qui a le plus bas pouvoir calorifique de tous les charbons. C'est un charbon jeune, qui est encore très gorgé en cendres et en eau, et qui s'exploite donc dans des mines à ciel ouvert. Alors, si vous avez un jour, si vous n'avez pas encore regardé ça, regardez les mines de lignite en Allemagne, c'est impressionnant. Vous avez des excavatrices qui sont des engins gigantesques, qui font quasiment la moitié de la hauteur de la tour Eiffel, hein, espèce d'assemblage de métal, c'est des monstres de bande dessinée. Et qui excave donc cette lignite pour mettre ça sur des convoyeurs qui vont jusqu'à la centrale à charbon à lignite la plus proche. Et donc, comme la lignite est un truc qui s'exploite dans une mine à ciel ouvert, bah, quand il n'y en a plus, il faut étendre la mine. Et donc, il faut aller manger sur les terrains avoisinants en détruisant ce qui se trouve dessus. Donc, il y a eu des destructions de villages. L'extension des mines de lignite en Allemagne a déplacé 80 000 personnes depuis l'ouverture des mines, donc c'est pas complètement négligeable. Hein, c'est... voilà. Et donc de temps en temps, il y a des gens qui protestent contre ça en disant qu'ils ne trouvent pas ça sympathique. Et encore une fois, ça fait partie de la vie d'une démocratie. Merci beaucoup. Donc pendant que certaines personnes font des actions choc, d'autres personnes affirment que les actions prises à l'échelle individuelle ou les initiatives telles que celles des éco-délégués dans les établissements sont des actions qui sont totalement... anecdotique à l'échelle de la planète. Que répondez-vous à ces personnes et pensez-vous qu'il faille imposer ou proposer des actions initiatives ou imposer des changements Alors, en démocratie, on impose rarement des choses contre la volonté du peuple. Donc en fait, la démocratie est un système remontant dans lequel il commence à se passer des choses un peu significatives au niveau du pouvoir politique quand un certain nombre d'initiatives ont commencé à démarrer au niveau de la population. L'idée qu'en démocratie, on pourrait avoir une espèce de grand sage, une espèce de grand Gandalf, là, qui... Donc Macron mettrait un chapeau de Gandalf, le bâton de Gandalf, et paf, sans que personne n'ait jamais rien fait, il trouverait la... Non, ça n'arrivera jamais. En fait, la façon dont les choses se passent, c'est qu'à force d'avoir des multiplications d'actions de terrain qui vont dans la même direction, ça finit par cristalliser et produire un mouvement politique ou influer sur les mouvements politiques existants. C'est en général comme ça que les choses se passent. Donc les actions individuelles ne sont pas du tout inutiles, elles sont même indispensables, parce que sans action individuelle, c'est une condition nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant, effectivement. Si que vous, demain matin, vous fassiez ou vous ne fassiez pas, vous pouvez très bien dire, à l'échelle de la journée, ça ne va strictement rien changer au destin de la planète et vous aurez parfaitement raison. Sauf que si je renverse le raisonnement, il est impossible de voir arriver quelque chose de structuré et d'organisé à l'échelle d'un pays si aucun individu, à son niveau à lui, ne se préoccupe du sujet. D'accord ? Ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Donc les actions individuelles, elles ont la vertu de contribuer à pousser dans la bonne direction à partir du moment où on croit que le sujet est important. Après, à un moment ou à un autre, il faut que ces actions individuelles, elles se transforment en collectif d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a deux raisons à cela. On parlait tout à l'heure des comportements individuels. Les comportements individuels, on a horreur de les changer à partir du moment où ça nous désocialise. C'est-à-dire que si vous avez votre bande de copains, votre famille, etc., tout le monde a l'habitude de prendre l'avion pour partir en vacances, et puis un jour vous dites « moi je veux plus », ça veut dire que vous allez vous couper de vos copains, vous couper de votre famille, etc., et en général c'est des trucs que vous avez pas envie, dont vous n'avez pas envie. Donc le côté collectif dans l'action individuelle se retrouve dans le fait que c'est beaucoup plus facile d'agir
si vous êtes plusieurs à le faire en même temps. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, qui est la cigarette. C'est évidemment bien mieux de ne pas s'y mettre, mais enfin, pour ceux qui ont eu la mauvaise idée de s'y mettre et qui veulent arrêter, c'est plus facile d'arrêter en groupe que d'arrêter tout seul avec les gens, d'autres personnes qui continuent à vous crapoter sous le nez. Là, c'est exactement pareil en ce qui concerne les modifications de mode de consommation. C'est beaucoup plus facile de faire ça en groupe que de faire ça seul. Donc, en fait, il y a quand même un côté collectif dans l'action individuelle qui peut jouer. Et ensuite, je le dis, il y a la deuxième chose, c'est qu'à un moment, ça aboutit sur des actions collectives. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans les actions individuelles auxquelles j'ai été confronté, il y a notamment le choix de carrière pour les étudiants diplômés que toutes les entreprises s'arrachent. D'accord. Donc, à partir du moment où une fraction significative de ces étudiants prennent la décision individuelle, pour le coup, de ne pas aller travailler dans une entreprise qui fait ceci ou dans une entreprise, etc., eh bien, l'ensemble de ces étudiants qui prennent cette décision, ça conduit un être collectif qui est une grande entreprise à changer d'action et de vision sur le problème qui a mobilisé les étudiants. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus, hein, un certain nombre d'entreprises où ils ont significativement changé ce qui se passe à l'intérieur. La manière de voir l'avenir, on va dire, ils ont commencé à se préoccuper beaucoup plus des sujets de climat. Et la raison première, c'est tout simplement parce qu'ils commençaient à avoir du mal à recruter. C'était très clairement ça. Et à partir du moment où vous avez un certain nombre d'entreprises qui, parce qu'elles avaient du mal à recruter, commencent à dire « on va s'occuper sérieusement du climat », à ce moment, ça passe encore à l'échelle au-dessus. Vous avez un morceau du MEDEF, un morceau de je ne sais pas quoi, etc., qui commence à dire « ah oui, c'est important de s'occuper du climat ». Et à ce moment encore, à l'échelle au-dessus, vous avez le politique qui entend « ah oui, c'est important de s'occuper du climat » et donc il va avoir envie de s'en occuper. Donc là, je viens de vous illustrer une chaîne remontante qui part d'une action individuelle dont vous pourriez vous dire « elle n'aura strictement aucun impact sur l'évolution de la planète dans son ensemble », qui est mon choix de carrière, moi tout seul dans mon coin. Et en fait, voilà comment en fait, la répétition de ce genre de choix peut conduire derrière à ce qui se passe des choses dans la société. Donc voilà, ça c'est un exemple, j'aurais pu vous en prendre plein d'autres. Merci. Et pour finir, est-ce que vous auriez un dernier point à évoquer que nous n'avons pas abordé au cours de la soirée? Au moins un millier, donc peut-être qu'on va prendre les questions. Hervé Doll nous a accompagnés tout au long de la préparation des deux conférences cette année. Il est donc tout naturel de lui donner le mot de la fin. Hervé Doll, à vous. Alors je ne sais pas si c'est naturel, mais merci. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous, d'avoir des invités prestigieux. Donc il y a vous ce soir, Jean-Marc Jancovici, il y avait Valérie Masson-Delmotte, notre collègue de Paris-Saclay, paléoclimatologue, il y a quelques semaines. On a vu avec vos deux interventions une différence d'approche, hein, la partie scientifique sur les climats, son évolution, les diagnostics, un voile pudique sur les solutions, quelque part, parce que les scientifiques n'ont pas vocation forcément à apporter des solutions directes. Vous, c'est presque l'inverse, en quelque sorte. Voilà, vous avez des solutions, des ordres de grandeur, des choses assez claires, des actions quotidiennes. Vous avez évoqué toutes vos casquettes et toutes vos actions. Moi, j'ai l'impression que ça vous a beaucoup... moi, déjà, ça m'a nourri. Moi, j'ai passé beaucoup de temps merveilleux avec vous. J'ai aussi beaucoup de temps que je passe avec mes étudiants et mes collègues. C'est très bien, mais j'ai passé beaucoup de temps agréable avec vous et avec vos enseignants et avec tout votre établissement qui est vraiment très moteur là-dessus. Donc, bravo pour tout ça. Et puis, j'ai l'impression que avec ces réflexions, parce qu'il y a beaucoup de travail, ça paraît peut-être pas, mais il y a beaucoup de travail derrière. Moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est vous qui avez tout fait. Ça vous a aussi motivé et ouvert pour des parcours professionnels ou des compétences qui vous serviront plus tard, avec donc des effets individuels qui auront, nous espérons, des effets collectifs. Donc bravo à vous, bravo à vos enseignants aussi. Eh bien, merci à Jean-Marc Jancovici d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. À Hervé Doll, Madame Nabli et Madame Aumont de nous avoir proposé ce projet et de nous avoir encadrés, ainsi qu'à la direction de nous avoir permis et autorisé la création de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la MJC qui nous a proposé le projet et qui nous a accompagnés tout au long de sa préparation. Merci aux éco-délégués, qui se sont engagés, qui se sont investis pour ce projet.
Et merci à vous d'être venus, merci à vous d'avoir participé, merci à vous d'avoir posé des questions toutes pertinentes. Merci. Et on invite les éco-délégués passés et présents à nous rejoindre sur scène pour une photo. Donc on vous demandera tous juste quelques minutes, histoire de juste faire la photo, s'il vous plaît. Et tous les éco-délégués, hein, parce que je sais, je les connais. Hein.